marque et de fil en aiguille, l'ABC a proposé du strip cabaret, ce qui m'a apporté un côté sexy que j'avais pas franchement au début. Donc voilà, moi ça m'a permis aussi d'assumer le côté sexy, girly, et pas que classique ou pas que drôle. Voilà. Et le côté sexy girly, il est souvent moqué, dénigré. Et justement, dans ce cours, on en fait une force et on en joue. Ouais. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant. Il y a plus de mouvements sur un même rythme que dans les autres cours. Les autres cours, on prend plus le temps, c'est plus élégant. On va jusqu'au bout du mouvement, vraiment dans l'élégance. Et là, c'est vraiment la rapidité des mouvements qui va faire que ça fait quelque chose d'uniforme et de super joli dans l'ensemble, en fait. Et les déplacements aussi. Et tous les déplacements. Hyper rapides, ouais. Et pour faire la comparaison avec le sport, c'est vraiment des mouvements d'équipe, en fait. Ouais, moi, je trouve que c'est un mix entre le dancehall et... les Pussycat Dolls. Ouais, les Pussycat Dolls, ouais. Beyoncé... Il y a la Royal Family aussi. La Royal Family, clairement. Pour ceux qui connaissent le hip-hop, ben... Oui, parce qu'on est là, vient du hip-hop, donc il y a ce côté, cet univers aussi. Ouais. Les paillettes et les baskets. Attends, c'est bon. Attends, je rentre toutes les quatre ensemble. Les paillettes et les baskets. T'es prêt? Mais alors, un truc, c'est complètement spontané. 1, 2, 3. Les paillettes et les baskets.